À le cas d'Ouman Saïd. Ça, il faut que je vous le dise, j'étais choqué. Parce que je pense qu'il est. On ne peut pas le juger sur les 39 minutes qu'il a passées sur la pelouse. Ce n'est pas possible. Si je me souviens très bien, il a négocié deux ballons. Mais il les a bien négociés. Parce que. Tu ne peux pas le juger, on peut pas le... Moi, j'aurais préféré qu'il le laisse sur le terrain. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce joueur. On veut le découvrir. 39 minutes de jeu, on le sort, et les changements qui ont été effectués n'ont rien apporté. Moi, j'aurais préféré qu'il le laisse un peu terminer la première période, même le début de la deuxième période, et puis on allait voir. Mais comme ça, si Djuma n'est pas fort moralement, là... Il va prendre un coup, il va prendre un coup terrible. Mais heureusement que j'ai lu un de ses posts où il disait que ce n'est qu'un début, que c'est le début, il est serein, il est serein. J'espère qu'on va lui donner encore une autre chance.